Oh Justine, ouvre-moi s'il te plaît. Justine, s'il te plaît, ouvre-moi. Justine, je suis désolé, j'avais pas compris ça moi. Je comprends pas. Ah ben non. Juste, s'il te plaît, vas-y, réponds. Juste, c'est vrai, c'est pas drôle, ouvre la porte. Allez, ouvre, s'il te plaît. Justine, oh, c'est pas drôle. S'il te plaît, c'est pas marrant là. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Justine, sérieux, c'est pas drôle. Justine, ouvre-nous. Je sais pas, elle répond pas. Elle répond pas. Justine, Justine. Oh. T'as-tu vu le dernier épisode de Game of Thrones? Non, je t'ai vu. Ouais, ça va. Non, non, non. Ah. Salut, allô. Yo, ça va. Hey, ça va, ça va, quoi? Tranquille. Examen cet après-midi ou quoi? Chut, on vivait bien avant d'y penser. Je vis encore bien et j'y pense. Mais quel examen? Casper. Le fantôme? Casper, le fantôme, guys. Merci, on avait compris, c'est juste pas drôle. C'est l'examen pour entrer en faculté de médecine. Ah, ok. Dame, vous n'aurez plus de vie. Si je m'engage depuis quelques jours, est-ce que je peux mourir? Ouais, de quoi? Mais tu peux pas mourir d'un mal de gorge. De quoi? Vous n'avez aucun rapport. Hé, docteur Justine, j'ai mal aux lèvres. Vous pouvez m'aider? Oh, moi, j'attends. T'as parlé à ta mère? Ouais, ouais, je t'ai parlé. Je te dirai après si ça m'est passé. Ouais. Ça va, mec? Oh, toi? Ok, dernière petite révision avant l'examen. Encore. J'arrive. On y va? Vous allez partir? Il me semble que ça fait genre des mois que vous étudiez. Vous n'êtes pas encore prêt? Bah, c'est notre avenir, donc... Votre avenir ou le tien, Will? Vas-y, je viendrai toi, Jean-Luc. Ok, vas-y, coucou tout à l'heure. Tu sais, Justine, t'as pas besoin d'étudier, hein? T'es la fille la plus intelligente que je connais. Moi, je veux que tu sois ma médecine famille. Tu pourrais me faire accoucher? Mais... Faudrait peut-être commencer par avoir des bébés pour ça? Wow, non, on est pas rendu là. Moi, je suis sûr que tu serais la meilleure des docteurs. Bah, la meilleure, je sais pas, hein? Mais la plus sexy? Je suis pas mal, ça. Oh, commence pas. C'est Will, j'imagine? Mmh. Je sais pas, mais j'ai juste l'impression que Will est trop dur avec toi. Mais quoi? C'est vrai? Tu veux vraiment être médecin? Vraiment? On en a déjà parlé. Jules, t'es ma meilleure amie depuis toujours. Je te connais depuis longtemps. Puis, j'ai juste l'impression de trop de pression de ta famille. Puis de Will? Aussi. Guys, je suis heureuse. C'est vrai? C'est bon. Ok, je pars étudier. Ciao, Bella. Ciao, Bella. T'es sérieux, là? T'es sérieux, présente la mort. Excusez-moi, madame, je suis pressée. Justine! Justine! Je suis venue te voir. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Justine! C'est moi. Retourne-toi. Retourne-toi. Vous voulez quoi? Toi? Je me présente. La mort. Je suis venue t'accompagner dans ta dernière journée de vie. Hein? Ce soir, tu vas mourir. C'est ridicule.
Comment tu peux savoir ça? Je suis la mort. La mort. Je vois pas la mort. Je vois juste une dame bizarre. Et bien habillée. C'est ça, la mort. C'est ridicule. Ok. Je meurs comment? Suicide. Alors ça, c'est pas possible. Je suis heureuse. Justine, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. De maths, change de programme, mais bon, je connais mon petit frère, il a la tête dure, tu vois. Ah, c'est sûr. Hein? Ça va, Jou? On dirait que t'as vu un fantôme. Regarde, Jou, respire. Excusez-moi, madame, on n'est pas intéressé, hein? Non, 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 c'est ma tante Brigitte. Ta tante? Ta tante Brigitte? Tante Brigitte. Enchanté. Qui est? Tu connais pas? Ok. On part chercher les autres. Les autres? Les autres. Mais ce sont les amis. Tu la connais, tu? Non, elle n'a pas de tante. Brigitte? Non, je pense pas, là. Il va avoir trop de tante. On l'a jamais vu. Pour la suite, parce qu'elle va péter encore une fois. Non, on l'a jamais vu. En cas de signes ou de symptômes suggérant une infection du canal biliaire, une... CPRE peut être effectuée pour extraire ce calcul. Ouais, mais chez les patients atteints d'une pancréatite biliaire aiguë, montrant qu'une CPRE significative... Et Jules, qu'est-ce que la gaine carotidienne On s'en fout, on s'en fout. Guys, on part. On part à Cuba. Non mais tu sais, la vie c'est pas juste une partie de plaisir. Oh mais comment? C'est bon. Putain, Justine. Justine, l'examen. Aïe aïe, trop sec. Elle a bu? Non, elle a pas bu. Elle a bu? Non, elle a pas bu. Ça va? Mais toi, casse-toi, tu t'en fous de son avenir. Son avenir? Tu travailles comme toi, sale con. C'est ma blonde, ok? Dégage. Calme-toi. Ça va, allez. Vas-y, casse-toi. Ouais, j'ai pas le temps. Franchement, dégage, c'est par là. T'as gagné. Dégage. Franchement, Isa. C'est bon, c'est quoi le rapport, là? Come on. Ouais, ça, vas-y. Sérieux? Mais c'est qui, elle? C'est la tante à Justine. Je la connais pas. C'est ma tante Brigitte. Tante Brigitte. Bond. Brigitte Bond. Comme James? James Bond? Oui, merci, on avait compris, c'est juste pas drôle. Ok, on doit étudier. Guys, j'irai pas à l'examen. Quoi? Je veux pas devenir médecin. T'es sérieuse, docteur Justine? Je savais. Hey, écoutez, gang, elle veut juste profiter de la journée, là, c'est pas plus grave qu'il y a ça, non? Regarde, moi, je dis, on s'en va chez nous, on s'en va au départ, ouais, okay. On prend la bière, on boit, ouais, okay. On va avoir bien du fun. That's it. Vous viendrez nous rejoindre quand vous serez médecin. Après votre examen, dans le fond. Vraiment ce que tu veux. Je veux juste profiter. Tu fais n'importe quoi de sa vie. Ça c'est choix, oui. Pas les tiens. En même temps, Justine, médecin. Dans la vue du président, je peux pas t'aimer. Attendez, guys, j'ai une blague. C'est quoi ta blague là, ouais? Là. Comment est-ce qu'on appelle ça, un arabe dans l'espace? On sait pas, man. Je sais pas. Ben, un astronaute, bande de racistes. À quoi? Au bonheur. Ouais. Okay. Le bonheur, il est où? Il est là.
l'école. Eh, mais tu peux me dire au moins un peu d'où et d'où, non? Non, pas de. Non? Elle est vraiment plate, t'as trop chier. Sérieux, yash. Eh, on se fait-tu un selfie, gang? Ouais, vas-y. Ouais. Ok, attends, ce sera pas long. Mais c'est lui aussi, bon, je crois que c'est comme lui, t'es ça. Casse les couilles. Stop! Stop! Oui, tu comprends jamais rien. Je veux pas devenir médecin. T'as compris? Ouais, c'est ça, tu vois pas qu'elle est pas heureuse comme ça? Mais toi, Aline, tu crois que t'es mieux? Vous deux là, vous comprenez jamais rien. Justine, c'est là. C'est l'heure de quoi? Justine. C'est l'heure de quoi? Sérieux, Jus, c'est l'heure de quoi? De ma mort. De sa mort. De sa mort. Désolé, j'avais pas compris ça, moi. Justine, ouvre-moi, s'il te plaît. Elle t'ouvre pas? Justine, non, elle m'ouvre pas, non, elle Justine! Justine, oh, c'est pas drôle! S'il te plaît, c'est pas marrant, là. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Jus, ouvre la porte, c'est pas drôle! Chaque décision est importante dans la vie. Chaque véritable moment de bonheur peut nous sauver. En t'accompagnant dans ta dernière journée, tes décisions ont été prises en fonction de ce que tu voulais réellement. Parce qu'en fait, l'important n'est pas de savoir si on peut être en vie après être mort, mais bien d'être vivant avant d'être mort. Oh my god. Justine, elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est vivante. Fais-nous plus jamais ça, Justine, t'as compris? Et où t'en bougettes? Je suis encore là.
Vous devez savoir que je ne repars jamais seule. Quoi ? Amélie. C'est quoi la joke là? Ami. Thank you.